Eh bien le bonsoir à toutes et à tous pour ce nouveau rendez-vous du Dusty Rhodes Tag Team Classic épisode spécial avec Pete Dunne. The following contest is a Dusty Rhodes Classic Tag Team Tournament first round match. Introducing first from Birmingham, England, weighing in at 205 pounds. The WWE Champion, the Bruiserweight, Pete Dunne. Comme vient de l'annoncer Greg Hamilton, c'est The Bruiserweight, Pete Dunne, qui arrive en premier sur ce ring. Et oui, comme vous le savez certainement, si vous êtes allé sur le site, on a eu un troisième match durant cet épisode qui est enregistré actuellement. Qui n'avait pas été enregistré le troisième match, et c'était les Breezango face aux Mustache Mountain, et c'est les Mustache Mountain qui ont réussi à se qualifier pour la suite de ce tournoi par équipe. Et donc ce match n'a pas été enregistré. Et le partenaire de Pete Dunne, c'est un rival de très longue date, ils ne sont plus rivaux actuellement, mais ce soir ils vont tenter de faire équipe. Shane Thorne, il est là. Ancien champion UK également Shane Thorne. And his partner from Perth, Western Australia, weighing in at 220 pounds, Shane Thorne. Shane Thorne, qui est bien présent. Alors je ne sais pas du tout si cette équipe va fonctionner entre Thorne et Dunne. C'est à voir, hein, franchement. Je ne mettrai pas une pièce dessus, mais c'est à voir quand même. Ça peut donner quelque chose de très bon, hein, parce qu'ils se connaissent très bien. Pour faire équipe, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen. J'aimerais bien. Oh, mesdames et messieurs, ce soir également, on a une équipe. Et leur opponent first, from Cleveland, Ohio, weighing in at 100. L'ancien champion NXT, Johnny Gargano, qui ce soir va faire équipe avec Tommaso Ciampa, et ils ont même nommé leur équipe DIY. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Gargano qui se lance dans ce tournoi, maintenant qu'il a perdu le titre NXT. On rappelle que lors du prochain TakeOver, Johnny va tenter de re-remporter le titre NXT des mains de Finn Balor. Tandis que Pete Dunne, lui, ne défendra pas son titre. C'est dommage parce que pourtant, le prochain NXT, qui était Takeover Homecoming, se déroulera à Blackpool, en Angleterre. Et son partenaire, No One Will Survive. And his partner. Tommaso Ciampa. C'est une équipe qui a de la gueule quand même. Ciampa Gargano, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il y a moyen que ça peut être bon. Ça peut être vraiment très bon. C'est à voir. En tout cas, moi je pense que le spectacle va être présent pour cet épisode uniquement du Dusty Rhodes Classic. C'est Pete Dunne qui va commencer face à qui? À Johnny Wrestling. Allez, torsion du bras pour l'instant de la part de Gargano sur Pete Dunne. Thank you.
c'est bien, il maintient. Il le pousse pour l'instant. Oh, le coup de pied de Pete Dunne. Oh là là, le coup de poing. Alors là, il était magnifiquement porté. Allez. N'hésitez pas à réagir d'ailleurs à cet épisode en commentaire. Et à le partager évidemment avec le hashtag WWE NXT qui est renseigné en haut à gauche de l'écran. Voilà tout simplement. Allez, il brise les doigts, il adore ça, putain. On le sait, on nous cache rien. Allez. Et... oh là, le coup de pied dans la face, mais... c'est plutôt violent. Hein. Oh non, il va encore tordre les doigts, regardez-le. La violence, allez. Et pour l'instant, Pete Dunne qui fait une entame de match parfaite. Oh, le backbreaker. Alors, si on fait un récapitulatif des équipes qui sont qualifiées pour l'instant, eh bien, nous avons Cassius Ohno et Cesaro. Et ensuite, Moustache Mountain. Du coup, les deux équipes s'affronteront. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est Tommaso Ciampa qui est dans le ring face à Pete Dunne. And the powerbomb perfectly executed. Et projection en arrière. Pete Dunne qui a le qui a le titre de champion de UK depuis plus d'un an maintenant. Ça fait wow. C'est vraiment impressionnant. On est de retour après une petite pause en plein dans le match. Et on passe au Ciampa avec le coup de genou en plein dans la face du Bruiserweight Pete Dunne. Allez, belle esquive. Oh, Pete Dunne qui va peut-être faire sa prise de finish. Oh my god, la powerbomb. Et pour l'instant, je veux pas dire, mais Shelton n'y a pas mis un pied sur le ring. Et c'est pour l'instant la team Dunne et Thorn qui gère, ou plutôt Pete Dunne tout seul, hein. Ça peut être pas mal. On va pas se mentir, hein. Oh, allez, un joli kick dans la face. Et le kick à l'arrière de la tête. Oh, Ciampa qui contre. Tommaso qui écrase la face du Bruiserweight, le briseur de doigts. Il rampe. Ah non, il fera pas le changement avec Shane Thorne, l'Australien. Oh, le big boot là, de la part de Ciampa. Oh oh. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Le coup de genou dans la face. Oh my god. One, two. Et Shane Thorne qui est venu casser ce tombé, mais il a réussi à se dégager avant Pete Dunne. C'était quand même très limite. Oh, le coup de coude. Pete Dunne qui attend maintenant. Il attend peut-être que Tommaso Ciampa se relève. Et en tout cas, il attendait qu'il bouge. Son projection par-dessus la troisième corde. Il l'a ramené dans le ring. Où est parti Johnny Gargano là? Oh, le coup de pied. Oh oh. Oh là. Oh là là. Oh, c'est peut-être fini. Oh, cette fois c'est bon. One,
2, 2, 3, victoire! Victoire de l'équipe de Peyton et Shane Thorne! Ah bah oui, mais c'était sûr, hein! Bah finalement, DIY, pas terrible, hein! Pas super, super, la cohésion est pas là. Mais en tout cas, très belle performance de Pete Dunne. Vraiment, il a tout fait, Pete Dunne, dans ce match. Franchement, bravo au champion UK qui prouve encore une fois qu'il est incroyable. Tout simplement. Here are your winners, the Bruiserweight Pete Dunne and Shane Thorne. Très belle victoire de cette équipe. Qui avance au second tour de Dusty Rhodes Tag Team Classic Tournament. C'est du très bon ça. Et regardez qui arrive. Ils viennent de 205 Live, mais également de SmackDown, vu que ce sont les SmackDown Tag Team Champions, Grand Metalik et Lince Dorado, les Lucha House Party sont là. Et alors qu'on accueille les adversaires, et non les moindres, The Velvet Dream. The Velveteen Dream. Ça c'est du très très bon ça. Alors là franchement, on rappelle que l'équipe qui remporte ce tournoi aura une chance pour les titres par équipe de NXT. Si c'est les Lucha House Party qui remportent ce tournoi et qui remportent les titres, ils auront tout simplement 4 ceintures à eux seuls. Voilà. Bah oui, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, j'espère que ça va pas arriver, mais quand même. Pour l'instant, des équipes qualifiées, bon, on a qui? On a Cassius Ohno et Cesaro, j'ai pas envie de les voir gagner. On a Moustache Mountain, eux ils sont déjà challenger numéro 1 pour les titres par équipe. Hein? Ensuite, on a maintenant Pete Dunne et Shane Thorne. Ça peut être intéressant. Et là, dans ce match-là, actuellement, je pense que je suis pour la Team Velveteen Dream et Case Lee. Car oui, c'est Case Lee, son partenaire. On verra. On verra ce que donne ce match. Mais ça peut être très très bon. Hein. Car le Dream et Case Lee en équipe, je vois pas ce qu'on pourrait avoir de mieux. Parce que les deux sont tout simplement incroyables sur un ring. Incroyables, ils sont capables plutôt de faire des choses plutôt très bonne sur un ring. Alors en équipe, quand on allie deux bonnes choses, ben ça fait une très bonne chose. Alors regardez Triple H et Shawn Michaels, ça fait dit Generation X, et qui dit que c'est mauvais? Personne. Tout simplement. En tout cas, le Velveteen a une très belle tenue ce soir. Il est acclamé en plus. Glorious! Case Lee est là! Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. And his partner from Wichita Falls, Texas, weighing in at 320 pounds, Limitless Keith Lee! C'est le bon Limitless Keith Lee qui est là. Ça. C'est du très très bon Case Lee, très très agile, et pourtant son physique pouvait laisser croire le contraire, et eh bien non, vous vous trompez. C'est du très très bon. On va voir si ce soir il est aussi agile que d'habitude. Now
On va voir. Et les fans qui se cornent. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils chantent, mais en tout cas ils chantent. Et c'est très bien. C'est du très très bon. C'est donc parti pour ce dernier match de la soirée. Il n'y en a que deux, mais deux très bons matchs. En tout cas, ils ne sont pas accompagnés de Kalisto, le champion Cruiserweight, les Lucha House, parti ce soir. Et ça, eh ben c'est très bien. Oui, c'est très bien. Regardez, regardez. Grand métallique. Oh là là. Olé. C'est beau ça. Allez, il a repoussé. Oh, coup de genou du Velveteen. Et allez, coup dans le dos. On rappelle hein, que le prochain NXT Takeover sera le Takeover Homecoming et sera diffusé en direct le samedi 25 janvier 2020. Il sera suivi le lendemain par le Royal Rumble diffusé en direct à 21h le dimanche 26 janvier. Voilà. Notez-le dans vos agendas, vos calendriers. C'est le rendez-vous de la fin de l'année. Oh, le Velveteen qui l'a repoussé. Clothesline. C'est bien fait ça. Oh allez, le neckbreaker. Oh, il a fait le changement avec Lince Dorado. On rappelle que Grand Metalik est ancien champion Cruiserweight d'ailleurs. Il étire, il le tord en deux, il le plie en deux tel une feuille de papier. Hurricane Rana. Projection dans les cordes. Collision. Le Velveteen avec le backbreaker parfaitement exécuté sur Lince Dorado. Oh, le big boot dans la face. Ah, ça fait mal. Oui. Oh, coup de coude. C'est Dorado qui projette le gym dans le coin. Et non. La clothesline à nouveau. Et il est comme ça, le gym. Ancien champion nord-américain de NXT. Qui va d'ailleurs tenter de reprendre son titre des mains de Adam Cole lors de Takeover. Tout simplement. Allez. Dorado qui réussit à s'échapper une nouvelle fois. Allez, c'est bien fait ça. Il est assis. Pour l'instant, Keisley. Oh, le Velveteen avec sa prise de finition. Keisley n'a pas mis un pied sur le ring. One, two, et le dégagement. Oh, ça aurait clairement pu passer. Qu'est-ce qu'il fait, Keisley, là? Va descendre là, voyons. Craqué. Oh là là, big boot dans la face. Tentative. One,
tenant. Dégagement. Allez, la belle esquive. Et le Jim qui pour l'instant gère plutôt bien le match. Et attention, la Dorado qui revient un petit peu, mais pas trop, avec modération, dirait-on. Dorado qui attend que le Dream se relève. Ah ben non, finalement il a relevé lui-même. Avec un petit Inzugiri après. Allez, peut-être le changement avec Ace Lee. Et oui, ça a été fait le changement avec Limitless. Ace Lee avec le sang chassé. Oh, le coup de pied. Dorado. Oh my god. Allez, oh, il est resté debout. Il est resté debout. Oh my god, Lince Dorado, il a tapé un mur. On dirait une mouche qui a voulu faire tomber un mur. Ah, les petits kicks à l'arrière de la jambe, de la cuisse. Oh, coup de coude, hey, il réussit à s'échapper. Ace Lee avant toute tentative de la part de Lince Dorado. Il projette tout de même dans le coin. Il l'a repositionné. Oh, oh. Oh là là. Oh là là. Oh, Lucha. Lucha. On est à l'extérieur du ring maintenant. Attention, DDT parfaitement exécuté par Lince Dorado, qui a une grande présence sur le ring aujourd'hui. Il est à fond. Par contre, Ace Lee l'a anticipé. Oh my god. Et il arrive même à anticiper Ace Lee. Ça prouve que c'est quand même un athlète oh, différent. Oh là là, the wall of Jericho sur Ace Lee. Et non. Et non. Oh, coup de pied dans la face, c'est bien joué ça. Allez, projection, non, il se fait contrer. Allez. Allez, oh my god, on dirait King Kong face à Godzilla. Cette année, dans votre cinéma. 1, 2, et dégagement. C'est pas une blague, vraiment, cette année, il y a King Kong contre Godzilla au cinéma. C'est au cas où, si vous n'étiez pas au courant. Et oui, je fais de la pub pour le film qui n'est pas encore sorti. Oh, allez. Sur Ace Lee qui se fait contrer. Aïe, aïe, aïe. Collision. Allez, il assoit. Ah, il le bloque avec le coup de coude sur la tête. Là, ça remet quelques neurones en place, hein, s'il en a. Oh, et le Weekend Runner. Projection. Oh, l'arbitre est KO. L'arbitre, il s'est pris un Ace Lee dans la tronche. Ah bah non, il est pas KO si longtemps finalement. Surpassement. Over the top.
Reporte sur la troisième corde, encore une fois. C'est Dorado qui demande à ce qu'on fasse du bruit. Il y a une ambiance de folie ce soir à NXT pour cette édition spéciale du Dusty Rhodes Classic Tag Team Tournament. Projection dans le coin. Oh, il a repoussé. Bon ça. Face contre le coin. Oh, Kesley, coup de tête. Encore Kesley qui transpire énormément, vous pouvez le voir. Et s'il y a un truc qu'on peut dire que c'est bien fait, surtout Kevin, et ben c'est la transpiration. Voilà, tout simplement. Oh, allez, face contre le coin. La transpiration est bien faite, mais le jeu après, c'est une autre histoire. Oh, les Limitless, par contre, attention, il va réussir à faire le changement. Et c'est fait avec Grand Metallic. Et oui, tu as été naïf, Kaisley, naïf. Oh là là, c'est beau ça ce que fait Grand Metallic. Très belle prise de soumission. Oh, le Dream qui se jette carrément pour casser cette prise. Attention, et le joli retournement. C'était presque. Ah, le Dream qui se repose, il en a bien besoin parce qu'il a été à fond là. En ce début de match. Et pour l'instant c'est Kaisley qui est à fond. Oh là là, Temi. Allez, il a réussi à le mettre au sol. Oh, il a fait le changement avec le Dream. Yes. Une très bonne cohésion hein, entre le Dream et Kaisley. C'est beau à voir. Oh, ce saut chassé. Oh là là, on aurait dit qu'il a propulsé. Regardez, il observe, il est là, il attend. Oh, oh. Mais non. Oh mais non, il a fait. Tentative 1, 2, ah, il s'est dégagé avant, mais Lindsay Dorado était venu casser ce tombé évidemment. Oh, il se jette et il enchaîne à la Stone Cold Steve Austin. Austin 316, said I just whipped your ass. Et il observe une nouvelle fois. Oh, il attendait avec les genoux. Les genoux au dernier moment levés pour Grand Metallic qui change totalement la donne. Ben, le Dream qui a quand même la main dans le match. Hein. Ben, finalement, ça change pas tant de choses que ça. Attention. Oh my god, le Rick'n'Roller de Grand Metallic qui revient dans ce match. Tant bien que mal, évidemment. Explosé dans le coin et le petit coup dans le dos qui permet de mettre la moitié des champions par équipe de SmackDown au sol. En tout cas, moi j'ai bien envie de voir le Dream et Kaisley remporter ce match ce soir et avancer vers la suite du tournoi parce que cette équipe elle promet de grandes choses, qu'elle remporte ou pas ce tournoi, qu'elle avance ou pas. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec eux.
Et le changement avec Lince Dorado à nouveau. On est à l'extérieur. Et c'est bien fait ça. Hurle contre les escaliers en acier. Attention au décompte extérieur. Encore contre les escaliers en acier. Allez, encore. Oh non, mais ça va. Il a craqué ou quoi? On est à 7. Attention. On est à 9, il faut remonter vite là. Oh là 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 là. On a frôlé le décompte là. Ah, par contre le gym, il a pris de très sales coups là dans les escaliers. Alors maintenant là, il doit être plutôt blessé. Je pense, ce qui serait logique d'ailleurs. Oh, le coup de pied, Lince Dorado. Oh oui. Oh, regardez, Lucha Libre Style. Allez, la main au sol. Pour l'instant, c'est la team Lucha House Party qui est à fond là. Et ce match, ça se bagarre, tant bien que mal. Ça fait déjà plus de 15, voire 20 minutes que les deux équipes s'affrontent. Oh le Dream! Oh le Dream! Joli contre! Ah, c'est ce qu'il faut aller faire. Rick and Run à nouveau. Allez, il se jette. Dream, est-ce que c'est ce que je pense? Oui, presse de finition du Velveteen. Et la tentative, est-ce que ça peut passer? 1, 2, 3, victoire du Velveteen Dream. Et Case, oui, qui avance au second tour de ce tournoi du Dusty Rhodes Classic Tournament. Yes. Oh, quel match de dingue. N'hésitez pas à réagir à ce match, mais il était exceptionnel. Ah vraiment, ça a été un pur kiff ce match. Ah, j'ai hâte de voir la suite. Ah, j'ai très hâte. Ça va être fou. Ça va être dingue et vous le savez. Everybody know it. Here are your winners. Velveteen Dream and Keith Lee. Très belle victoire et merci à tous d'avoir été présents pour cet épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite du Dusty Rhodes Classic Tournament. Bonne soirée à tous.